Bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une cadence qui est très utilisée dans la musique actuelle. Et cette cadence, c'est le 2-5-1. Sans plus tarder, passons directement à la leçon. Nous sommes sur la tonalité de Do majeur. Comme indique son nom, 2-5-1. Ça veut dire, dans une tonalité, nous avons 7 degrés diatoniques. Par exemple, sur la tonalité de Do majeur, nous avons le premier degré qui est Do majeur 7, deuxième degré Ré mineur 7, troisième degré Mi mineur 7, quatrième degré Fa majeur 7, cinquième degré Sol 7. Veuillez à faire une différence entre majeur 7 et 7. Un accord de majeur 7 comme Fa majeur 7. Nous avons la septième qui est prête à aller vers la note fondamentale, par exemple ici pour Fa majeur 7. Nous avons comme septième la note Mi qui est prête à aller vers Fa. Alors que si je devrais faire l'accord de Fa 7, ça sonne déjà différemment parce que ici, nous avons une septième de dominante qui se trouve plus souvent dans le blues ou alors ce qu'on appelle des emprunts de dominante. Continuons avec la leçon. Le cinquième degré, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'accord du Sol 7. Sixième degré, La mineur 7. Et le septième degré, Si mineur 7, bémol 5. 2, 5, 1. Ça veut dire qu'on va cibler le deuxième degré dans une tonalité. Puisque nous sommes sur la tonalité de Do majeur, le deuxième degré, c'est Ré mineur 7. Alors, 2, 5. Ce qui veut dire que nous devons aussi chercher le cinquième degré, qui est l'accord du Sol 7. Et il nous reste un dernier qui est le 1. Le 1, c'est l'accord de tonique qui est le premier degré, Do majeur 7. En gros, 2-5-1 sur la tonalité de Do majeur, c'est Ré mineur 7 comme deuxième degré, Sol 7 comme cinquième degré, puis Do majeur 7 comme premier degré. Écoutons ce que ça donne. Encore. C'est le 2-5-1. Maintenant, nous passons sur la tonalité de Fa majeur. Le 2 de Fa majeur, c'est Sol mineur 7, qui est le deuxième degré de la tonalité de Fa majeur. Le 5 de Fa majeur, le Do 7. Puis, le 1, c'est Fa majeur 7. Alors 2, 5 de Fa, c'est ça. Sol mineur 7. Do 7 que j'ai renversé. Puis Fa majeur 7. Une dernière fois. Maintenant, passons à la tonalité de Si bémol majeur. Le 2 de Si bémol majeur, c'est le Do mineur 7, le 5-7 de Si bémol, c'est Fa 7, et le premier degré, c'est Si bémol majeur 7. Ce qui nous donne un 2-5, Do mineur 7, Fa 7, puis Si bémol majeur 7.
Il nous reste une dernière tonalité pour finir avec cette vidéo. C'est la tonalité de Mi bémol majeur. Le deuxième degré de Mi bémol majeur, c'est Fa mineur 7. Le cinquième degré, c'est Si bémol 7. Puis le premier degré, c'est Mi bémol majeur 7. Ce qui nous donne en 2-5-1, Fa mineur 7, Si bémol 7, puis Mi bémol majeur 7. On peut jouer soit le premier degré majeur 7 ou alors majeur 6. C'est pareil pour toutes les autres tonalités. On peut jouer Do majeur 7 ou bien Do 6. On peut jouer Fa majeur 7 ou bien Fa 6. Ok. Maintenant, avec la main droite, on peut faire la même chose en plaquant les accords. Ou alors que la main droite. Après avoir plaqué les accords à la main droite, on peut se faire accompagner à la main gauche en faisant les accords, puis jouer quelques mélodies à la main droite. On a une mesure de Ré mineur 7, une mesure de Sol 7 et deux mesures de Do majeur 7. Pareil pour la tonalité de Fa majeur. Une mesure du deuxième degré, une mesure du cinquième degré, puis deux mesures du premier degré. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon travail et à très bientôt pour les autres tonalités. Au revoir.